Bonjour à tous et à tous, c'est Gara 95-340. On se retrouve pour une vidéo de Gem of War. Alors Gem of War, je sais pas la catégorie dans laquelle on pourrait le classer. Hein, je sais pas, ça, à mon avis, ça peut être un puzzle game, je sais pas. Mais en tout cas, le style, c'est un mélange de jeu de cartes et de gemmes. Donc quand vous verrez la vidéo, dites-moi si vous savez dans quelle catégorie on peut le placer, parce que moi, je sais pas. Pour moi, à mon avis, c'est un puzzle game. Donc l'histoire, vous voulez être un guerrier reconnu, et c'est tout ce que je sais. J'ai pas trop compris le reste. Donc vous devez suivre une aventure, voilà. Alors donc du coup, vous pouvez choisir votre race de héros, hein. Donc homme ou femme. Vous avez les elfes, les gourak, qui sont des espèces d'orques, des humains, les nagas, donc c'est les serpents, les rakshas, les espèces de félins, donc des lions ou des tigres, je sais pas, et les wargars qui sont des loups. Bon, moi je prends les rashka, donc voilà. Après vous pouvez changer, il y a deux types d'armure, donc ceux-là, armure sylvestre ou armure de phénix. Peut-être que plus tard dans le jeu j'en débloquerai. Moi je suis un type, je sais même pas quel type de truc, je crois que je suis guerrier, je crois. Donc voilà, hein. Après aperçu, vous avez ça, vous pouvez, je sais même pas ce que vous pouvez faire, mais bon, ça c'est par rapport au royaume, c'est les gemmes, les maîtrises des gemmes. Donc je pense que c'est par niveau que ça se fait, donc je sais pas. Donc voilà, après donc je vous montre les unités. Donc vous voyez, vos unités c'est des cartes, et vous pouvez les équiper avec d'autres cartes qui sont des armes. Donc vous voyez là, moi j'ai équipé tout ça. Donc chaque personnage est équipé d'une arme. Donc voilà. Alors ça vaut après de faire ce qu'il faut. Donc voilà. Alors après, je vais vous montrer comment se présente un peu le jeu. Tac. Alors on va aller ici. Oh non, on va aller là. Hop, get, tac. Hop. The honor is all mine. Voilà l'attaque. Vous allez comprendre un peu le système de jeu et pourquoi je ne sais pas dans quelle catégorie il faut faire. Donc vous voyez, vous avez des sphères. Chaque personnage a une couleur respective ou un élément. Genre moi j'ai le feu et la lumière pour le premier, l'eau et la nature pour le deuxième, la lumière pour le troisième, et l'eau et les ténèbres, je crois que c'est les ténèbres hein, en noir, pour le dernier. Hop, vous voyez. Et en fait le compteur monte, et au bout d'un moment, ça déclenche des coups spéciaux, comme vous voyez là, le deuxième à gauche, donc je vais utiliser, tac. Hop là, et voilà. Là c'est au tour de l'autre. Donc que je fasse pas de conneries. Tac. Là j'ai utilisé les crânes. Hop. Ça attaque directement. Le problème c'est que l'autre il va attaquer directement s'il est pas con. Ah non, ah non, j'ai rien dit. Voilà. Oh, il enchaîne bien. Tac, un bim. Alors vous voyez, il faut briser les boucliers qui sont au dessus de leur cœur, parce que vous faites pas directement des dégâts sur lui. Hop, déjà, hop. Ok. Ça, je vais le faire beaucoup plus mal. Tac. Ah bah oui, tout était à son avantage. Tac, bim. J'ai détruit un monstre déjà. Les deux personnages ont leur pouvoir, donc je vais pouvoir les utiliser. Alors, on va faire déjà celui-là. Hop, tac.
Hop, on va utiliser l'autre. Alors, lui. Tac. Après, il est assez simple à comprendre. Hein. J'ai oublié de vous le dire, il est gratuit sur le PSN. Donc, n'hésitez pas. Hein. Franchement, voilà, si vous avez du temps à perdre, vous voulez changer un peu de style de jeu, prenez celui-là. Il est assez sympathique. Ah, j'avais un pouvoir qui était déclenché. Prochain, c'est pas vrai. Hop, tac. Détruisons le bouclier, c'est un bon truc. Oh, bien. Extra turn, d'accord. Aïe, 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 aïe. Ah, il l'a pas vu, c'est bon. Ah, non, ah, il a bien enchaîné. Joli. Même si c'est un ordinateur. Ah, putain. Mais c'est un ordinateur, franchement, c'est bien joué ce coup-là. Je l'avais pas vu venir. Hop, tac. Et moi aussi, j'ai bien joué, regarde. Bim. D'accord. Hop, ouais, j'ai... Oh, oh. Bah, dis donc. Bon, j'ai intérêt quand même à me grouiller. Voilà. Bah, vous voyez un peu comment ça se passe, hein. Là je viens de gagner mon match, donc voilà. D'accord, j'ai gagné un niveau. Alors on me demande d'augmenter un niveau de 1 de ceux-là. On va prendre la nature. Ah, j'ai gagné un arc. Alors je vais pouvoir, alors prenez l'arme qui a été gagnée, donc je crois que c'est celui-là. Hop. Menu arme. C'est où le menu arme? Non. Alors je sais pas du tout comment on change les armes déjà. Ça c'est bien un truc qui m'énerve. Alors attendez. Hop. Essayer de savoir comment on fait. Bon bah je sais pas, je verrai ça plus tard, hein. Donc voilà, bah, c'était pour montrer un peu comment se passait un peu ce petit jeu. Donc si vous avez des questions ou autre, bah n'hésitez pas. Si vous voulez un streaming ou une vidéo, j'en referai un. Et hop, bah, là, j'ai clé d'une coffre. D'accord. Donc voilà. Donc si voilà. Donc si vous avez des questions ou autre, bah n'hésitez pas. Je ferai des vidéos tout ça sur ce jeu-là. En tout cas, bah maintenant, bah je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon jeu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.